Je vous ai manqué. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle story time. Mes premiers bails avec une femme. Là, généralement je vous dis, ouais, est-ce que vous êtes presque fiant en photo? Aujourd'hui là, je vais pas trop bavarder. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Des gens seront exposés. Oui. Donc, j'ai eu mon bac il y a 3 ou 4 ans. À Abidjan. Je suis allée à Nîmes dans le sud de la France pour commencer des études de psycho, mais entre nous je suis allée à l'école que 2 semaines et je suis revenue tout de suite à Abidjan. Et en revenant, je me suis fait une bande de potes ici, toutes lesbiennes. Et en fait, si vous avez vu ma vidéo où je parlais de ma bisexualité, j'ai découvert que j'étais bi à 13-14 ans et j'ai réellement commencé à l'assumer publiquement à 18 ans, en gros quand je suis partie en France. Donc quand je suis revenue, j'étais prête à gérer des bails avec des femmes. Et un soir, un seul soir, je pense, malgré ce qui s'est passé, c'était l'une des meilleures soirées de ma vie. Elle m'a emmené dans un club de striptease, elle m'a emmené dans une boîte gay. Je savais même pas qu'il y avait des boîtes gays à Abidjan, c'était un truc. C'était une expérience absolument formidable. On devait partir de cette boîte gay pour aller au Saint-Germain, pour ceux qui connaissent Abidjan. En fait, on attendait l'une de leurs amies, qu'on va appeler Isabelle. Donc on était devant la boîte gay et je les entendais parler, dire oui, Isabelle prend trop son temps, il est toujours en retard, on l'appelle, elle décroche pas, en tout cas, on peut pas partir tant que Isabelle n'est pas là. J'entendais Isabelle, et moi je savais pas c'était qui. À un moment donné, l'une des filles s'est retournée pour dire que ah, ça y est, Isabelle est là, on peut partir et tout. Quand moi-même je me suis retournée, que j'ai aperçu la Isabelle en question, je suis restée bouche bée. Je l'ai vue et je me suis dit, comment je vais faire? Comment je vais... Qu'est-ce... Quoi? Moi j'ai jamais dragué de femme, je sais pas comment ça marche, je sais pas. Bonsoir, voici Isabelle. J'ai dit, bonsoir, je m'appelle Angelica. Et ce soir-là, j'étais tellement un flic de... C'est-à-dire que ce soir-là, quand j'ai mis un pied dans la boîte gay, laisse tomber. Ha! J'étais sensuelle, chocolatée. Oui! Quand on s'est salué, je me suis faite toute petite. On est rentré dans la voiture, on est parti au Saint-Germain. Et c'est là que les choses intéressantes commencent. Hey! On s'est assises dans la boîte, oui, il y avait beaucoup de bruit, on s'entendait à peine. Lumière tamisée, tout, quelques prostituées au bar. Une très bonne ambiance pour une très bonne soirée. Donc on s'assoit, et moi généralement je bois pas. Je bois très rarement parce que bah, j'aime pas boire et je supporte pas l'alcool. Donc ça fait qu'en fait au bout d'un verre je suis pas bourré au point de me mettre à vomir, me déshabiller, raconter de la merde. Mais juste, je suis pompette au bout d'un verre et ça me saoule. Mais comme Isabelle était là et que je ne savais pas comment j'allais faire pour commencer à causer, elle, mon cher, les gars là ont rempli mon verre, j'ai bu ça comme l'eau de courage. J'ai dit, j'étais là, 1, 2, 3, rempli mon verre. Je veux du Jack, je veux du Fionton, un peu de vodka, oui. Donc à un moment, tout le monde a commencé à danser, tout. Isabelle s'est levée, commencé à danser toute seule et tout sur la piste de danse, machin. Et j'avais une pote qui avait capté en fait, qu'elle me plaisait. Donc elle s'est mise à côté de moi, elle m'a dit, bon, Angelica, va danser avec elle et tout. Moi j'étais là, non, je peux pas, qu'est-ce que je vais faire? Avec mon verre d'eau de courage, non, mais je peux pas, qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que le Fionton? Je sais pas danser, blablabla. À un moment donné, la dose est montée, l'alcool a fait effet, je me suis levée, j'ai ramassé tous mes attributs qui étaient déjà bien mis en valeur, ramasser un sein ici, récolter l'autre ici, prendre mes fesses, je dis, oh, je me suis jetée sur la piste de danse, m'approcher d'Isabelle. Ha! Je n'ai jamais de toute ma vie danser comme ce soir-là. J'ai donné tout ce que j'avais. Oh. Un pied ici, un pied là. Casser mes reins sur la piste. Ouais! Même Isabelle a dit yes, ma petite. Tu connais. Danser. Et le truc, c'est que je pense que c'est un peu parce que j'étais bourrée ce soir-là. Mais en tout cas, vous voyez dans les films américains, quand c'est le bal de promo et que les deux personnages principaux dansent et tout machin, puis d'un seul coup, tout le monde disparaît, il n'y a que les deux au milieu de la piste avec genre lumière tamisée en fond et puis la lumière des anges qui tombe sur eux. Je vous jure, je pense que c'est l'alcool, mais je vous jure que c'était exactement comme ça dans ma tête. Il n'y avait qu'Isabelle et moi sur la piste de danse. Eh, Isa, tu m'as fait ça. Donc bref, on a dansé les roues, casse. Eh oui. On a dansé. Au bout d'un moment, on est retourné s'asseoir et tout. Elle m'a servi encore un verre. J'ai continué de boire parce que j'avais pas encore assez de... La dose était montée, mais je n'avais pas encore assez de courage. À un moment, elle m'a parlé à l'oreille vu qu'il y avait beaucoup de musique et elle m'a dit, oui, tu t'appelles comment et tout. J'ai pas très bien compris. Tant. Et en fait, comme j'avais pas envie de lui crier Angelica parce que c'est pas un prénom qu'on arrive à retenir comme ça, je lui ai demandé de me donner son téléphone.
Et donc elle m'a fait, ah oui, tu as raison, c'est beaucoup plus simple comme ça. Elle m'a tendu son téléphone, elle a ouvert répertoire, nouveau contact et tout. Donc je me suis dit, bah ok. Donc j'ai enregistré mon numéro avec mon prénom. Et elle m'a dit, ouais, t'habites où, t'entends? Et je lui ai dit où j'habitais. Elle m'a dit, ah mais c'est super, j'habite pas loin et tout. Je me suis dit, hé, la femme de ma vie, is a pay. J'étais en chasse. Là en fait, à ce moment précis, j'imaginais déjà à quoi ressembleraient nos enfants. Est-ce que vous me connaissez? Moi je suis quelqu'un, je m'enflamme tellement vite. Donc elle a pris mon numéro et tout, continué la soirée. Et après on s'est relevé et on a recommencé à danser. Pendant qu'on dansait, à un moment il y avait un petit zouk et tout, chacune la tête dans le cou de l'autre. Et elle m'a fait un bisou dans le cou. Je me suis dit, ha, c'est le signal. C'est le signal. J'ai attrapé la tête d'Isabelle et j'ai voulu la smaquer et elle a tourné la tête. Et je me suis dit, mais ça c'est au hasard. Tu prends mon numéro, tu me fais la je danse sur toi, je casse mes reins pour toi. Tu me fais un bisou dans le cou et après tu veux pas que je te smack. Est-ce que c'est la même, elle sait qui je suis? Est-ce qu'elle sait qui je suis? Est-ce qu'elle sait, Isa? Tu sais? Non. Continue de danser, deuxième tentative, elle a tourné sa tête encore. J'ai dit, celle-là, on est retourné s'asseoir. Et donc elle me parlait, et comme je vous ai dit, il y avait beaucoup de musique, donc on s'entendait pas vraiment. Donc elle me parlait très très proche du visage. Est-ce que vous me connaissez? Elle parlait pas. Je sais, franchement, je sais même pas de quoi elle parlait parce que je l'écoutais pas. Piaillait, piaillait et tout. Un moment, j'ai fait. J'ai smaqué la grosse en perte de temps. Elle m'a regardé, elle a fait. T'as pas peur, toi, j'aime ça. Et sur le coup, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'elle m'a dit ouais, t'as pas peur, j'aime ça, machin, machin. Parce qu'elle, elle en sait rien que, bah, que j'ai peur de lui parler, que c'est la première fois que j'essaie de draguer une femme, etc., etc. Après, on l'a déposée, parce qu'on était en voiture avec mes autres copines. On l'a déposée, nous, on a continué à Bassam, à la plage. Quand elle est descendue, elle m'a smaqué et vous auriez dû voir ma tête. Oh, quand elle m'a smaqué sur le coup, j'ai fait genre c'était normal et tout. Voilà, j'étais là, genre, à la prochaine. Quand elle a fermé la portière, j'ai dit les filles, est-ce que vous avez vu ce que Isabelle a fait? Elles m'ont dit non, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, elle m'a smaqué avant de descendre. Elle m'a smaqué avant de descendre de la main. On va se marier, on va avoir des petits bébés. Isabelle! Et donc après, j'aurais bien expliqué tout ce qui s'était passé quand elle a tourné sa tête, machin, quand elle m'a dit ouais, t'as pas peur et tout. Et elles m'ont dit qu'en fait, le truc c'est que bah, on était plus dans la boîte gay. Et au cas où vous seriez pas au courant, la Côte d'Ivoire, c'est pas le pays le plus gay friendly. Ce qui fait qu'en fait, au Saint-Germain, j'avais aucune raison, moi en tant que femme, de smaquer une autre femme. Voilà. C'est pour ça qu'elle m'a dit ouais, t'as pas peur, attends. Moi, j'avais pas réfléchi à moi, franchement, j'ai même. C'est-à-dire que ce soir-là, il n'y avait qu'Isabelle. C'était elle, le plat principal du menu. Là à côté, les condiments, moi, je calculais pas. Donc, moi, j'ai même pas pensé à ça que non, on peut avoir des problèmes, machin, des homophobes qui vont nous tabasser dans la boîte. J'ai même pas pensé à ça. Tout ce qui m'intéressait, c'était Isa. Isa. Après m'avoir dit ça, elles m'ont dit oui, tu sais, Isabelle, c'est une fille qui est pas sérieuse et tout. En plus, elle a déjà une copine, machin. Elle a 350 copines dans Abidjan. Juste un plan cul ou juste amuser, y'a pas de soucis. Mais si tu veux un truc sérieux, c'est vraiment pas la fille vers qui tu dois aller. Sauf que, quand elles m'ont dit ça, moi j'avais déjà fini d'imaginer quand j'allais faire des bébés avec elle, quand j'allais se marier, quand j'allais présenter à ma mère, quand t'entends. Franchement, j'étais dépassée. Mais je me suis dit, si elle m'a smaqué, qu'elle m'a demandé mon numéro sans me dire qu'elle avait une copine, peut-être qu'elles ont des problèmes, peut-être que en fait elles sont séparées, les autres filles du groupe elles sont pas au courant. Je me suis fait des. C'est-à-dire que moi seule je me fais des films, moi seule je joue dedans, moi seule j'applaudis à la fin. C'est ce qui s'est passé. J'ai pas perdu espoir, je me suis pas dit non, machin et tout, peut-être que c'est une grosse bâtarde et tout. À aucun moment je me suis dit ça. Je me suis accrochée à mes rêves. Parce qu'en fait, je vous ai pas expliqué. Comment Isabelle est? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle une belle femme? Je vous parle pas des goûts qui se maquillent beaucoup de contouring et tout, faux cheveux et tout. Non. Je vous parle d'une beauté naturelle. Beauté d'Afrique de l'Ouest, beauté de Côte d'Ivoire, beauté de café cacao. Une beauté libre dont la monnaie n'est pas le franc CFA. Vous savez ce que c'est? Oh, Isabelle. Quelques jours après cette soirée, elle m'a envoyé un texto en mode « Ouais, tu fais quoi? Attends, je peux passer chez toi et tout. » J'ai dit « Oui, y'a pas de souci. » Je me suis sensualisée comme Jaja. Elle est venue. On s'est assise dans mon salon, on a discuté et tout. Et moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait une suite à nos petits bisous. Et au final, rien du tout en fait. On a parlé toute l'après-midi. Puis au final, elle s'est levée, elle est rentrée chez elle. Et quelques jours après, elle m'a renvoyé un message « Ouais, je peux passer te voir. Attends. » Elle est revenue, on a parlé encore. Et puis bon, après, quand elle est rentrée, j'ai envoyé des messages en mode « Enfin, c'est comment là? Tu viens chez moi? Tu me fais pas de bisous? Tu me fais pas de câlin, tu me fais rien, aucun rapprochement, chacune est assise dans un fauteuil éloigné, on se regarde mal à l'aise et tout machin. Elle m'a dit non, faut prendre son temps, fionton. Moi je suis pas dans ça. Donc la troisième fois qu'elle est venue, même cinéma, on s'est assise dans le salon, chacune à l'opposé de l'autre, discuter, pas trop se regarder dans les yeux et tout. Et au moment où elle allait partir, je lui ai dit, en fait j'ai voulu la provoquer, je lui ai dit mais bah, en vrai tu fais la go dans le quartier alors que... Tu es timide, chérie. Elle m'a dit non, c'est pas que je suis timide, pourquoi t'es pressée, tant. Et j'ai pas arrêté de la titiller jusqu'à elle m'a dit bon, ok. Elle m'a attrapée, tirée vers elle, m'embrassée.
Si vous avez vu la story time sur Ibrahim, vous savez ce qu'on appelle les bisous sucrés. Mais ça, les bisous d'Isabelle, ça n'a rien à voir. Parce que Ibrahim, j'ai dit que ouais, ces bisous étaient doux et tout. Dès qu'il te touche, machin, c'est tellement sucré que tu as le diabète. Isabelle, ça n'avait même rien à voir. C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas, je pourrais même pas vous décrire. Je pourrais pas vous décrire. En tout cas, j'ai vu des anges. À ce moment-là, je vous assure que j'ai vu des anges. Donc on s'est roulé de pelle après, elle est rentrée chez elle et tout. Moi, j'étais enchaillée. Mon premier baiser avec une femme, non ! J'étais tellement... Donc évidemment, moi, je me faisais de plus en plus de films. Et le truc, c'est qu'elle m'avait toujours pas parlé de sa copine. Donc moi, je m'étais vraiment dit, peut-être qu'elles sont plus ensemble et que les autres filles sont pas au courant. Se mentir à soi-même, c'est la pire des choses. Et après cette histoire de baiser, j'ai commencé à recevoir de moins en moins de textos, de moins en moins d'appels d'Isabelle. Elle venait de moins en moins me voir. Et j'ai paniqué. J'ai paniqué. Et à ce moment-là, je travaillais avec une dame qui travaille sur les énergies, etc. Et j'avais découvert qu'elle faisait des séances de yoga. C'était du... Je ne me souviens pas du nom, mais c'était du yoga mélangé avec ouverture de chakra, les vibrations, les fiondons. Et c'était génial. J'avais déjà fait deux séances et je trouvais ça vraiment bien. Et donc, j'ai demandé, enfin, j'en ai parlé à Isabelle. Et je lui ai dit, ouais, est-ce que ça t'intéresse de venir avec moi, machin, c'est samedi prochain et tout. J'ai deux tapis de yoga, si tu veux, je t'en passerai un, patati patata. Elle m'a dit, ouais, y'a faute, y'a pas de soucis. En plus, j'ai des problèmes avec le travail, je suis stressée, donc y'a aucun problème. Je vais être avec toi. Raconter beaucoup de choses. Moi, j'étais en jaillie parce que je me suis dit, ok, je vais pouvoir la mettre dans un truc qui m'intéresse et on pourra en parler et tout machin, ce sera génial. Si je savais. Comme c'était en rapport avec tout ce qui est chakra, vibration, etc. et je sais qu'elle y connaît rien, je lui ai proposé de venir chez moi la veille, donc vendredi après-midi, pour lui expliquer un peu le béaba, le peu que je savais en tout cas, lui transmettre ça. Et puis le lendemain, on allait faire du yoga et puis après on allait louer. Donc elle m'a dit, la fois, y a pas de problème, demain à 16h je serai chez toi et tout. J'ai dit ok. Sensualiser encore une fois. Je m'assois dans le salon, commence à lire un livre et tout. Et le pire, c'est que ce livre-là. J'étais tellement contente de voir Isabelle tellement jaillée que j'arrivais pas à me concentrer sur mon livre en fait. J'ai passé toute l'après-midi à relire la même phrase sans rien comprendre. Et je n'ai rien fait d'autre. Donc à 15h59, je m'assois avec mon livre dans le salon. 16h arrive, 17h, 18h, 19h45. Aucune nouvelle d'Isabelle. Pas un texto, pas un appel. Vers 21h quand même, je me suis dit, bon, je pense qu'elle va pas venir. Je l'ai appelée. Elle n'a jamais décroché. Elle a complètement disparu pendant genre une semaine. Et un jour, je reçois un texto. Hey Nadje, comment tu vas? Attends. J'ai dit, mais enfin, tu te fous de ma gueule. Genre, la semaine dernière, je t'ai attendu. Tu m'as envoyé aucun message, tu m'as même pas prévenu, rien du tout. Je t'ai appelé, t'as même pas décroché. Non, c'est pas ça, j'étais occupée, j'étais fiontant de me sortir beaucoup d'excuses et tout. Ensuite, elle m'a dit, ouais, tu fais quoi demain? Je vais passer chez toi et tout, machin. Isabelle, si c'est pour toi, je ne fais rien, jamais rien. Je suis opérationnelle à toute heure du jour et de la nuit. Donc évidemment, quand elle m'a dit, tu fais quoi? J'ai dit, mais je fais rien. Elle m'a dit, ok, je vais passer chez toi dans l'après-midi. Sensualiser encore une fois. La goût n'est pas venue. Elle m'a fait ça trois fois dans la même semaine. Trois lapins. Trois sensualisations inutiles. Donc évidemment, moi j'étais de plus en plus frustrée, de plus en plus énervée, de plus en plus triste aussi, parce que je m'étais déjà attachée à elle. Et bref, du jour au lendemain, enfin, pareil, elle a complètement disparu, sauf que cette fois-ci, c'était pas une semaine, elle a vraiment disparu pendant au moins 6 mois, je pense. Entre temps, j'ai créé ma page Facebook, La Nadjance, et quand le fame, pseudo-fame, a commencé à grimper, Isabelle est réapparue. Je ne savais pas, et je ne sais toujours pas, si c'était lié à ce début de fame ou pas. Mais le fait est qu'elle est revenue un jour, elle m'envoie coucou sur Facebook. Donc je lui réponds super froidement en mode oui, bonjour Isabelle, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Attends. Elle m'a dit non, je vais juste prendre tes nouvelles, blablabla, etc. Je lui dis ok, bah, je vais bien, merci beaucoup, bisous, bye. Et pendant plusieurs jours comme ça, elle venait me parler tous les jours et à chaque fois je la remballais, j'étais super froide. Puis bon, au bout d'un moment, qu'est-ce que j'ai pu vous dire? Je suis retournée voir ses photos, beauté, sucré, café, cacao. J'ai craqué. Je suis une femme faible. C'était quelques mois avant que je revienne à Abidjan pour l'été. Et donc je lui ai dit que je viendrais l'été, machin. Et je lui ai dit, au fait, et ta copine? Copine dont elle ne m'a jamais parlé. Non, on n'est plus ensemble, on avait trop de problèmes, patati patata. J'ai dit, ah bon, et tes centaines de go d'Abidjan, elles vont bien? Elle m'a dit, non, c'est pas ce que tu crois. Et puis les Ivoiriennes, elles sont pas sérieuses, tu peux rien faire avec elles, patati patata. Moi, je suis fatiguée de jouer, j'ai vraiment envie de me poser. Franchement, Abidjan, il n'y a aucune femme qui en vaille la peine. Je lui ai dit, Isabelle, je suis pas née de la dernière pluie. Ce que tu m'as fait là, tu vas pas me faire ça deux fois. De un. Et de deux, si tu as juste envie de me mougou, tu peux me dire, Mandje, je veux te mougou, on se mougou et on se laisse. On n'a pas besoin de faire semblant de je t'aime, de fionton, sortir ensemble 2 semaines, on a fini de bien se baiser aux 4 coins d'Abidjan et après tu vas me larguer. Ça c'est pas, non, ça c'est pas dans mes projets, chérie. Elle seule a commencé à péter un câble que non, comment tu peux dire ça? Moi je suis pas comme ça, attends, je vais pas te faire mougou laisser. J'ai déjà dit dans une autre de mes vidéos, je pense. Mougou laisser, c'est en gros quand tu couches avec quelqu'un et qu'après tu donnes plus de nouvelles.
Voilà. Que non, moi, c'est pas mon genre de faire mou laisser, je vais pas te faire ça, de blablabla. Je dis, Isabelle, faut savoir ce que tu veux. Je te le répète encore une fois, si tu veux me mourou, il n'y a pas de souci. Je viens, on se mourou, on se laisse. On peut même rester potes, il n'y a pas de souci. Mais me fais pas croire que tu m'aimes ou que tu veux une relation sérieuse avec moi si c'est pour me faire ça. Non, Najib, bla 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 bla. J'ai dit ok, aucun problème. On a continué à parler, là on a commencé à réellement bien flirter. Et puis jalousie à gauche, à droite. Non, pourquoi lui t'es balle, pourquoi lui like ta photo, pourquoi bla bla bla. Moi j'étais en gêne. J'arrive à Abidjan. Le lendemain de mon arrivée, je reçois un message d'Isabelle. Ouais, t'es où? Tu fais quoi? T'entends? Je dis, je suis à la maison, je fais rien. Elle m'a dit, ok, j'arrive. Et sauter dans ma chambre, sauter dans la douche, sauter dans le placard, sauter dans le maquillage, make-uper, sensualiser. Et comme elle habite pas loin de chez moi, moi je me suis dit, elle sera là dans pas longtemps. Donc je me suis dépêchée, sauter dans un boubou sensuel, sauter dans le maquillage. Je me suis assise comme d'habitude dans ma place habituelle au salon pour l'attendre. La go est arrivée une heure plus tard. Elle s'est assise et tout, on a parlé genre 10-15 minutes. Et au bout de 15 minutes, son téléphone sonne. Elle décroche, elle dit « Ouais, allô, j'arrive bientôt, attends, t'inquiète pas, je suis en route et tout, je suis à 2 minutes. » J'ai dit « Mais Isabelle, tu vas où? Enfin, tu viens juste d'arriver. » « Non, tu sais, ma soeur est malade et elle vend des trucs, je vais aller faire la livraison pour elle, tu veux venir avec moi ?» Et moi, j'étais fatiguée, enfin, je venais d'arriver et tout, puis même... J'avais pas envie, donc je lui ai dit bah non, je vais pas venir. Elle m'a dit ok, bon c'est qui est-ce, je vais les passer tout à l'heure. J'ai dit ok, pas de souci, vas-y. Et j'ai oublié de préciser que pendant les 15 minutes où on a parlé, elle m'a expliqué qu'en gros elle avait quitté son taf parce que bah il la payait pas assez, qu'elle était fatiguée, machin. Maintenant, Isabelle là, façon elle est partie, je n'ai pas eu de nouvelles d'elle pendant 2 jours. Après les 2 jours, elle m'envoie un message, ouais Nadji, c'est comment, bébé chérie, coucou, blablabla. Je lui ai dit, mais Isabelle, c'est comment, t'étais censée revenir chez moi, ça fait 2 jours que j'ai pas eu de nouvelles, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit non, excuse-moi, en fait j'étais prise par le taf. Ton travail que tu as laissé ou tu as démissionné là, c'est ça qui fait que je n'ai pas de nouvelles de toi pendant 2 jours. Il n'y a pas de souci, Isabelle. Donc elle m'a dit, ouais, d'ailleurs là j'ai un petit moment et tout, est-ce que je peux passer chez toi s'il te plaît? Je lui ai dit, bah non. Elle m'a dit, ok, à fond. C'est resté comme ça pendant plus d'un an, je crois. Et après, j'ai commencé à sortir avec une autre fille d'Abidjan qui se trouvait être une très 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 bonne amie d'Isabelle. Quand j'ai appris ça, déjà ça m'a refroidi parce que à ce moment-là on sortait pas encore ensemble, on était encore en période de flirt, de TAP, technique d'approche. Et je me suis dit, si c'est une pote d'Isabelle, c'est mort, c'est mort. Qui se ressemble, ça semble, c'est mort. Vous venez me faire asseoir dans le salon jusqu'à des heures pas possibles, ne plus me répondre et non. Non. Ouais, papa. Ouais, papa. Et je lui ai dit, dès qu'elle m'a dit, ouais, Isabelle c'est ma super pote, c'est ma bonne vieille mère et tout, je lui ai dit, écoute chérie. Ta pote, voilà ce qu'elle m'a fait. C'était la première femme que j'embrassais. Voilà comment elle m'a gaspillé mon amour, gaspillé ma sensualité. Et après ça, elles se sont vues toutes les deux. Elle est venue me dire que ouais, j'ai parlé avec Isabelle. Elle m'a expliqué qu'en fait c'est pas du tout ce que tu crois. Elle voulait vraiment pas te faire de mal. Qu'en fait quand elle répondait pas à tes messages, c'était parce que t'entends monter, descendre, raconter du n'importe quoi. Isabelle qui a passé je sais pas combien de temps à se justifier auprès d'elle. Et elle qui est venue me répéter qu'elle voulait pas me faire de mal, que je n'ai pas compris. Au final même, j'ai fini par revoir Isabelle. Genre on a rigolé. Je lui ai dit que ah Isabelle, en tout cas moi je vais faire une story time sur toi d'ailleurs. C'est ma prochaine vidéo, rigoler. Isa, ça c'est pour toi. Et le truc c'est qu'en fait, après même avoir géré des bails avec Isabelle, j'ai appris que c'était réellement une coureuse de jupons. Mais en fait c'était bien pire que ce que je m'imaginais. Parce que moi je pensais qu'elle avait juste une copine et qu'après elle gérait 2-3 bails. Mais en fait apparemment cette fille, à ce qu'on m'a dit, sort avec les 3/4 d'Abidjan. Ce qui est un peu triste, c'est qu'en fait à cause de cette histoire et à cause des 2 prochaines histoires que je vais vous raconter, j'ai commencé à avoir peur des femmes. Pas des femmes en général, mais des femmes qui me plaisaient. C'est-à-dire que si je vois un mec qui me plaît, je peux très bien le draguer, il n'y a aucun souci. Même un inconnu dans la rue, je peux lui dire ouais, je vous trouve très attirant, est-ce que je peux avoir votre numéro? Attends. Avec une femme, jamais de la vie, c'est même pas envisageable. Et même si je commence à parler avec une femme et qu'elle me dit explicitement que je lui plais et que moi je lui dis qu'elle me plaît, machin, si on se voit, j'oserais jamais faire le premier pas, j'oserais jamais l'embrasser. Ce que j'ai retenu quand même de cette histoire, c'est que quand les gens te disent fais attention, il faut faire attention. Ce ne sont pas toutes les rumeurs qui sont vraies, mais ce ne sont pas toutes les rumeurs qui sont fausses. Je sais que c'est très deep. Et quand vous êtes comme moi et que vous vous attachez très 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 vite aux gens, faites tout votre possible pour ne pas vous faire de films. Parce que quand vous faites des films, vous seul vous êtes acteur, spectateur, producteur, ça part toujours en couille. Faites attention aux coureurs de jupons, faites attention aux coureuses de jupons. On se retrouve bientôt pour une story time. Bisous la famille, prenez soin de vous. Je vous aime fort. Mouah ! Bisous Isabelle.